De toute façon, après, quand je ferai les tours de tour de Boggia, j'irai directement recruter les assassins que je peux débloquer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en même temps, je refais tout ça. Faut avoir plus de sous à chaque fois. À chaque 20 minutes. Parce que c'est pété, hein, voilà. Maintenant, c'est le début du jeu, faut s'installer et tout, hein. Et moi, je m'installe en tout Rom, voilà. Heureusement qu'on n'est pas allé aux États-Unis, parce que franchement, là, je m'installe dans tout. Dans tout New York, il n'y aurait rien pour les autres, ça serait pété. Je déconne, hein. Je rigole. Hein. Je sais pas ce que j'ai. C'est comme d'hab en fait. En fait, je meuble, et au bout d'un moment, je perds les fils de ma pensée, et puis au bout d'un moment, je plante. Ma pensée, elle plante totalement. C'est bug Windows, quoi. C'est 404 erreurs. Oui, c'est pas Windows, 404 erreurs, ça va. Nos zut de fut. Ouais, juste zut. Ouais. Allez, hop là. Bah, c'est bientôt là. Y'a là, toi là. Ici. Allez, hop. Bientôt là. Bon, ça va être bon. À bientôt. Voyons, messieurs. Où êtes-vous, épais en courée? Vous êtes là. Où ça? Non, je veux pas aller en haut. Je veux pas aller en haut. Ah là. Assassin, c'est l'heure de prendre de l'XP. Bah, et puis au bout d'un moment, tu n'es même pas obligé de combattre au bout d'un moment, hein, c'est tout. Ça évite d'avoir des gardes au cul au bout d'un moment. La libération de Rome a commencé. Que j'ai beau avoir les mêmes habits qu'eux, je suis tout. Tant que j'attaque pas, c'est bon. Montrez-moi comment éliminer ces tyrans. Tyran, petit pas, tapons. C'est pas ça. Est-ce que je peux en avoir d'autres ou pas? Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que... Voilà, merde, voilà, au bout d'un moment, voilà. J'en ai recruté 3, voire 4, je sais plus. Ouais, j'ai oublié le nom au bout d'un moment. Mais je crois que c'est 4. Il est croit que c'est 4. Au bout de 5, en fait, on a une deuxième barre d'assassins. Et on peut en lâcher plusieurs dans la foulée. Et le troisième barre, elle est spéciale, la troisième barre, vous verrez. Je dis pas ça tout de suite. Bon, on va continuer la mission principale au bout d'un moment, hein. Sur route des assassins, ça va, ça mute, mais zut, voilà. Demain, ça va être chiant, regardez, je pense. La mission, elle est où, là? Oh non, une pipette, non! Pourquoi une pipette? Ce monstre de Malfato! Où est-il? Là-bas! Ok. Ok. Malfato, sa propre fille, auprès du tibre. Quand on va aller avec toi, là. Aussi on faisait un peu de recrues. Ah bah ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien les longues. Oh Mina. Voilà. Suivez les courtisanes. Donc elle nous indique le chemin, donc c'est par là. Par là. Par là donc. Ici, là, par là-bas. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais passer par la rue pour une fois. Pupute. Voilà, c'est là. Je ne te voyais pas dans tout ça. Marqué non. Pupute, par là, je suppose. Forcément, tu bloques le chemin, donc forcément, c'est de côté. Pupout. Animale. You are on the shit. Bon, ce serait bien de le tuer au bout d'un moment, hein. Allez, deuxième. Allez, viens. Voilà. Pas trop tôt. Le spawn dans le foin, c'est génial. Ces gens assassins, ils attendent devant le chemin des yeux, toi. Ils prévoient à l'avance, toi. Ils prévoient. Oui, je dis ça. Ils prévoient à l'avance, toi. C'est trop les tacticiens, toi.
Où ça se trouve, il y en a des milliers partout. C'est pas des spawners, en fait. Il y en a des milliers, on sait pas encore. Hein. De toute façon, je recrute 1000 par 1000 des assassins. Hein. On ne sait pas. Bon, bref. Je vais arrêter mes délires au bout d'un moment, hein. Parce que zut, bref. Allez, hop, on fait la suite de la quête. Enfin, la quête. La quête, quoi. Enfin, la suite. Oui, la suite, c'est ça. Pas grand chose à dire de ce que j'ai. Je pense qu'on va aider encore quelqu'un d'autre. C'est ça, je m'appelle cette mission. On entend de loin le chien quand même. Enfin, le chien là quand même. Hein. Il était là, on l'entend de l'autre bout de la ville. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, Kama? Bambino, merci. Bambino. Ah, Bambino. Ma maman, ils vont l'emmener sur un bateau. Et ils veulent me mettre dans le suivant. Qui? Un homme est descendu du château avec ses gardes pour nous arrêter. Il me fait peur. Il est quoi? Mais tu me sembles courageux. Vous allez me ramener ma maman? Tu sembles courageux. Tu vas ramener ma maman? Oui, courageux. Trouvez Sylvester Salamatini et tuez-le et libérez l'esclave. Tuez les... Ouais, c'est l'entraînement de... L'entraînement... aux assassins. J'allais dire l'entraînement aux esclaves, c'est pas ça. Ne parle à personne en chemin. File chez toi, file. File, 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 file. File ton milkshake. Oh yeah, Bref. Où es-tu? Oh, c'est la tonneau de Savatini, tu es mort. Oh, Marie-Zi. You are a big moche. Oh, Marie-Zi, señorita. Bon, allez. Grouille-toi! Oh, grouille-toi! Putain, il doit emmener loin quand même, ces connards! Eh, hey, gamin, t'aurais pu te mettre plus près du monsieur quand même, hein! Parce que faire 31 km à chaque fois, ça va quoi! Oui, 31 km, je sais exactement quelle distance sépare le gamin du truc, hein! Non, je ne donnerai pas au mendiant! Non, bon, mendiant! Je l'ai trouvé. Où es-tu? Est-ce que je dois te suivre ou te tuer? Ah, je le suis, c'est ça. La première fois, je me suis fait avoir. Bon. Je vais pas le suivre trop voir, voilà. Je suis pas là. Quelle palpitante suivade! Poursuite, c'est ça le mot. Quelle palpitante poursuite! Trop de paix dans cette phrase. Quelle foutue palpitante poursuite, oh mon dieu! Est-ce que tu es à droite, à gauche, à droite, oh mon dieu, je le savais! Il est trop dark! Par contre, là, je suis plus que... Voilà. Merci. C'est pour l'essence. Allez, écoute-toi de retourner. Retourne-toi. Retourne-toi. Voilà. Yé, mais il simule bien. Oh, tu es belle, toi, au premier rang. Oh, regarde-moi dans les yeux. Merde. Regarde. Oh, vous regarderez, t'es magnifique comme celle-là. T'es, mais alors, magnifique, oh, mais t'es magnifique. Ok. Je peux pouvoir aller taper un sprint, là. Oh, cool idée. Est-ce qu'au bout d'un moment, je peux le tuer ou pas? Non, parce que j'aimerais bien en fait, au moins au bout d'un moment, hein, sans décoller, voilà, bah. C'est pas contre toi, hein, mais bon. Allez, c'est arrêté. Valencia, ces enlèvements doivent se poursuivre. Même les enfants, Silvestro. Pour asseoir son règne. Ha! Aïe! Bon, après, je vais tout situer, mais bon, c'est pas grave. Requiescat in pace. Oh, Marquesi!
Oui, c'est des petites missions, donc pas des gros bonhommes, donc on parle pas avec eux avant qu'ils meurent. Comme dans Assassin's Creed 2, où on parlait à chaque fois qu'on faisait ça, bref. Donc, Vogel, hein, vous êtes tous vous tuer, hein. Toi, l'arbalétrier, je ne t'aime pas. Oh, j'ai cru tuer un assassin, voilà. Ça n'a pas été très bien. Chute. Allez, mais arrête! Voilà. Ouais, Karzor, allez, bah, si. Ouvrir les firons, oh mon dieu. Donc voilà, donc là on va apprendre comment faire des missions aux assassins. Pour qu'ils montent tout seul à deux niveaux. Parce que c'est chiant sinon de monter tout seul à un niveau. Donc voilà, donc on a à chaque fois les nouvelles recrues, tout ça. Il y en a un niveau 2 déjà, c'est pas mal. Donc voilà, machin, nouvelle recrue, deux niveaux 2. Sérieux? Non, quel niveau 2, ok, c'est pas grave. Donc voilà. Quoi dire? Je dis quoi. Donc oui. Donc là, Madame Adèle Southsea est passée niveau 2. Donc on peut choisir si on augmente les armes ou l'armure. Moi j'augmente toujours l'armure en mon premier et après les armes. C'est plus important, voilà. Ça se fait. Et puis on peut choisir la couleur aussi. Genre voilà, pour profondeur, c'est pas mal. J'aime bien. Voilà. Les autres sont suivants et je peux recruter encore un autre. Et à chaque fois qu'on fera une tour de port géant, on pourra recruter un mec à chaque fois. Ou deux, c'est un ou deux. C'est un à chaque fois, bref. Et pour qu'ils montent de niveau tranquillement, on peut leur assigner des contrats. Et donc, par exemple, y a pas juste un niveau 1, non. Niveau 1, oui, parce que la difficulté, là, c'est niveau 5, non. Niveau 2, si, pourquoi pas. Ça dépend. Bon, parce que voilà, on peut en fait, c'est des comment dire, des pourcentages de réussite en fonction du niveau. Par exemple, niveau 2, 80% de réussite, c'est pas mal, donc 24%, mais en même temps, on peut en mettre 2 et donc avoir 12 XP à chacun. Et donc, ça ferait que machin truc là, Emiliana Santi pourra passer niveau 2 par exemple, et toi, pas encore niveau 3, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc on lance la mission et ils vont faire la mission pendant je sais pas combien de temps. Pendant 11 minutes et 26 secondes ils seront disponibles. Voilà. Donc pendant 11 minutes ils vont faire la mission et quand ils seront revenus ils ont gagné 12 XP chacun. Voilà. Et on peut faire ça toutes les missions qu'on veut. Même si on n'a plus d'assassins pour nous après, c'est pas grave. Après ils reviennent et si ils ratent la mission, ils meurent. S'ils ratent la mission, ça veut dire qu'ils meurent. Donc on les revoit plus. Donc il faudra recruter d'autres trucs et c'est chiant. Voilà. Mais si on se démerde bien, on peut les faire remonter aux nouvelles marques très facilement. Faut après jouer pas mal de temps. Mais j'avoue que là, il va falloir que je commence à jouer en off pour que le temps des assassins puisse augmenter graduellement et très vite, surtout. Voilà. Donc voilà, c'est très sympa ce mode. Enfin, ce mode. Les assassins qu'on recrute, je trouve ça super sympa, super bien pensé. Bizarrement, Ubisoft, ça j'approuve. J'approuve grandement cette idée. Bon, là, je commence à avoir plus à voir. Je sais pas combien de temps je tourne. Attends, faut que je vois. Il faut que je vois, sinon ça va pas aller. Ah ouais, j'ai encore 20 minutes, ça va. Au quart d'heure, quoi, plutôt. Alors. Marquez où ça? Un visiteur impromptu. Trouvez de vous à la voix. Marquez, je sais pas qui c'est, même si j'ai reconnu la voix, je sais, parce que je sais que. C'est par ici. Qui est tout? Ezio, par ici. Marquez, qu'est-ce que c'est? Qui est là? Bonjour! Leonardo de Capaccio! C'était toi qui t'étais. Bon, t'as vachement changé quand même, Leonardo. Voir, mon ami. Dans mes bras. T'as vieilli quand même, hein. Et qu'est-ce que tu fais à Rome aussi? Les Borgia ont réquisitionné mes services. En fait, ils ont menacé de me tuer si je refusais. Ok. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, ils veulent quoi? Des machines de guerre. Ok, j'ai fabriqué beaucoup d'armes pour les gardes des Borgia, ainsi que bien d'autres atrocités. C'est pas très bien. Elles sont très bien conçues, Ezio. Regarde, voici les noms des Templiers chargés de la construction. Cesare va équiper toute son armée avec mes créations. Il faut les détruire. Ok, j'irai. Grazie.
Je vais me charger des plans et des machines. Mais j'ai des nouvelles plus inquiétantes encore. Ils ont... la pomme. Ça, on le savait. Oui, je sais. Je l'avais remise à Mario. Mais Mario est mort. Je suis navré, Ezio. Où est Luigi ? Cesare me l'a confié pour que je l'observe, que je l'étudie. Mais Rodrigo me l'a prise. Non. J'ignore où elle est. Merde. Je finirai par la retrouver. Leonardo, j'ai perdu toutes les inventions que tu avais créées grâce au Codex. Merde. Je peux toutes les reproduire. Cool. Je n'oublie jamais un croquis. Mais oh, tu vas devoir me défrayer pour les matériaux. Vraiment ? Tu es donc si mal payé que ça au Vatican ? Très mal. Très très mal. Ah bah, c'est malin. Si nous collaborons, nous ne pouvons pas éveiller le moindre doute. Cool. Quoi ? Une main ? Elle indique là où tu dois t'asseoir. Alors assis-toi. Ok, je m'assois. Oui, maestro. Comme tu veux. Fais comme si tu ne regardes pas surtout. Et c'est quoi le carton là-bas qui était là ? C'est bizarre. Tu peux pas le voir le carton ? Parce que ça existait les cartons à l'époque. Je suis assez choqué, je dois avouer. Une invention du carton sur combien ? Du carton imprimé en plus, s'il vous plaît. Oui, je suis assez choqué, je sais pas. Je dois avouer que je suis en plein doute. Alors, voilà. Maintenant, grâce à Leonardo, on peut... Oh putain, c'est cher, sa race. C'est cher, c'est cher. Donc on peut avoir 3 outils en plus. Donc les lames doubles, parce que je n'avais pas les lames doubles, je pourrais tuer 2 gardes en même temps. Les camps d'escalade, ce qui me permettra d'aller plus haut, enfin de sauter en fait pour m'accrocher plus haut, ce qui est pété. C'est ce qu'il nous avait appris aussi... les voleurs là, comment ça s'appelle, à Venise, c'est ce qu'ils avaient appris, et là on l'a désappris, il faut un gros escalade maintenant, vous comprenez pas pourquoi. Et des fléchettes empoisonnées, c'est à dire que je pourrais envoyer des fléchettes à distance, ce qui est totalement pété. Et du coup, pour le premier, on va prendre des doubles lames, parce que c'est ça manque quand même, les doubles lames, sans déconner. Je dois retourner à l'atelier, attends-moi. Ok, t'en as pour une ou deux heures, c'est bon. Allez, non, c'est avant 2 jours en fait. Ah oui, non, mais c'est carrément en fait. Carrément un jour quoi. Mais Julia est un temps comme ça. Mode lol. Je vais pouvoir tuer 2 gardes à la fois. Oh yeah! Gagne-le encore plus fort! Desmond, j'ai scanné la position de Léo sur la carte. Tu pourras le suivre à chaque déplacement. Et le carton m'interpelle sérieusement quoi. Synchronisé avec Ezio, tu vas devoir détruire les machines de Léo. J'ai indiqué l'emplacement des templiers. T'inquiète pas, je les ferai. Peut-être pas tout de suite, mais je les ferai, les trucs. Ça, c'est sûr. Visiteur impromptu. Si. Encore une mission. Allez, encore une mission. Allez, hop. Par contre, El Banco. El Banco del Parga de Porco de Paris. Retire un argent, s'il vous plaît. Voilà. 7000, j'ai pas encore assez pour la balette. Ça fait un peu chier. Mais j'aurais pu avoir assez pour le grand escalade. Merde, c'était où? Ah, c'était où? C'est par là, non? Je suis sûr que c'est plus là, maintenant. Ah, ça... Plus de carton disparu, oui, lol. Tout est normal. Bon, ben, pour Léo, pour Leonardo, il va falloir attendre un peu. J'ai un petit peu chier, j'avoue. Est-ce que j'achète de l'équipement? Non, je dirais pas ça, je suis très bien comme ça. Très bien comme ça. Ouais. Je sais pas, j'étais... C'est moi, il a le grand escalade, là. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, et Dieu, c'est pas possible. Mais quel canard! J'y crois pas. Bon, j'arrête avec ça. Allez, hop. Plus 1700 toutes les 20 minutes, ça commence à faire bien. Ces remèdes traditionnels sont... Allez hop, on se dégage. Bon, ma mission, la tête a mis les bains, sérieux. Bon. Autant y aller par la nage. Ou pas. Bon, c'est lui comme ça. Peur de rien, celui-là. Bonjour. Comment je t'ai éclaté la gueule. Allez hop, là, wouhou. Bonjour. Pas le temps.
You are not the temps, Makeno. Voilà. Et courre, courre, fureur, fureur, je sais pas quoi. Ok, t'es tombé comme une merde, t'as même pas essayé de sauter, quoi. Si je crois pas. Allez, mendiant, on vous gueule, hein. Zut. Juste zut. Tu peux pas sauter, mais tu peux pas aller en haut. Qu'est-ce que c'est? T'as joli où déjà? Les yeux, c'est de l'autre côté ou. Ouais, c'est carrément Tataouine les bains en fait. C'est à Tataouine les bains. Eh ben, on va faire. Non, je trouve que c'est chiant ce point-là. On va faire plutôt ce point-là. Attends, on va essayer de sauver un. Un assassin, on va marquer ici. Oui, parce que je pense que là, on va juste aller vers la mission, on va pas la faire. Et la semaine prochaine, on commence la mission. Parce que je crois que c'est une mission assez longue. Et je pense pas la faire tout de suite maintenant. En tout cas, ça risque d'être difficile de la faire tout de suite maintenant, vu que je pense que j'ai quitté dans 10 minutes maintenant. Ce sera pas folichon futur. On va plutôt faire des tours de Magia. Enfin, une en tout cas. Peut-être deux. Si j'ai la foi. Oui, c'est celle-là. Est-ce qu'elle est facile à accéder celle-là ou pas? Je crois que c'est celle que j'ai faite quand j'ai fait la vidéo d'un an de la chaîne, je crois. En tout cas, que j'avais essayé. Que je comprenais pas grand-chose au jeu. Que ça me saoulait. Bah, j'étais pas à fond dans le trip à cette structure, oui. Bon. Bon, on va essayer de le tuer, celui-là. Bon, allez, un an, ça date un peu maintenant, d'un an de la chaîne. Ouais, c'est par là, si je m'en rappelle exactement ce truc. Je m'en rappelle être passé par là. Ouais, carrément. Même que le chef m'avait complètement. Fait lol. Et complètement barré. Non, non, chut, je suis pas là. Je suis pas là. Regarde. Eh, regarde, il dit. Non. Eh, merde, ça. Je vois plus nulle part. Là-bas, c'est lui. Attrapez-le. Merde. De pas faire taux de garde. Ta gueule! J'ai pas ramassé la balette? C'est plus ça, non, que d'en acheter une? Non, je sais pas que tu saches du rien, moi. Je vais pas passer pour le champ de service, hein. Passer par l'extérieur, parce que ce sera plus simple, je pense. Il y a plus personne. Et des citoyens? Merde! Je pense que c'est pas trop une bonne idée. Parce qu'à chaque fois, il l'envoie par terre le truc. Et c'est ça, à chaque fois, il l'envoie par terre à côté d'une falaise, quoi. Je t'emmerde! Voilà, c'est fait. De connard. Bande de connards! Ok, c'est bon. Je vais passer par là. Tu peux te tourner, s'il te plaît, monsieur? Voilà, merci monsieur. Monsieur, merci. Voilà. Ouh, assigné par derrière. Elles aiment quand ça passe par derrière les courtisanes, hein. Ah, courtisane. Non, vous voyez pas. Vous voyez pas, bande de connards. Je ferais mieux de rentrer. Mais d'où tu m'as vu? C'est débile! Les gardes là, ça va pas aller. Là, je vais être discret, sinon ça va pas aller, quoi. Je crois que je peux toujours appeler mes assassins, mais bon. La. Passer par en dessus, ça me paraît pas trop une mauvaise idée, pour une fois. Nous vous rappelons que les échappés là, tués dans les zones, ne le laissez pas s'échapper. Suivez les ordres à la lettre. Prenez bien ces assassins. Je vais te tuer. Voilà, ta gueule. Ça te prendra, bande de pute. Quand vous dire que j'en ai un chier pour les 1 an de la chaîne. Ta
gueule. Voilà, gueule, toi aussi ta gueule. Toi aussi ta gueule. Non, non, si je tuais. Oh, bon, tant pis. Non, mais c'est pas grave. Enfin, je t'en veux pas. Bon, bah, faut juste foncer dans le tas au bout d'un moment, voilà. Parce que au bout d'un moment, si il te fuit, celui-là, il est à cheval, c'est impossible de rattraper. À part si t'as un cheval. Et encore. Bref. Allez hop. Du coup, on peut se aller. Se aller. On peut se aller là-bas. I am so French. I am so Frenchy, Marketty. Voilà. La mission qui s'est passée tout à l'heure s'est finie à l'instant. Donc je vais pouvoir. J'ai récupéré mes assassins qui étaient là-bas. Et du coup, ils ont remonté de niveau aussi. Ce qui est plutôt pas mal. Et hop. C'est pas par là, ça va pas ici. Allez hop. Yeah. Monte. Monte comme tu n'as jamais monté, espèce de monteur. Oh yeah. Ouais. Voilà. Je suis à combien maintenant de vidéos? Oui, il reste 5 minutes, ouais, j'ai pas fait pour faire la mission. C'est con. Bon, carte mise à jour, c'est bon. Maintenant. Ça à faire. Brûler! Brûler comme tu n'as jamais brûlé! Oui, j'ai déjà dit ça, c'est bon. Il est mon fou. Il faut que je m'étire, sinon ça va pas aller. Yeah. Ah, je m'étire trop bien! Ah, ça fait un bien fou! Je déconne, je crois mal. Oh, comment je me mens moi-même! Non, c'est pas très bien! Du coup, j'ai encore un nouvel emplacement à assassin, du coup, je pourrais en recruter encore un autre. En plus de celui que je peux recruter. Ce qui est pas mal. Et là, normalement, j'ai pas mal de trucs à faire. Je m'en rappelle très bien de ce moment. Bizarrement, c'est l'un des seuls endroits que je m'en rappelle du jeu. Bizarrement. Voilà, 1948 à chaque 20 minutes. Je peux vous proposer pas mal. Un grand choix d'épée. du moins quand j'aurai. Ok, j'ai goûté ce qu'il disait, mais c'est pas intéressant. Marquez-le, c'était pas intéressant. Du coup, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Oui, bon, on gueule. Bon, et ben on va aller vers la mission maintenant. Vas-y, parle, bourré. Toutes les mères sont pareilles. Ouais, les femmes, elles voudraient savoir si je voudrais revenir. Mais je suis dit, je sais pas. Je peux peut-être revenir, mais je sais pas si j'en ai envie, en fait. C'est ça le problème. De toute façon, elle est comme sa mère. Et toutes les mères sont pareilles. C'est les femmes, c'est les femmes. Parce qu'elles me fichent la paix de toute façon, parce que j'arrive pas à m'en sortir. Ils ont dû s'éclater à faire ça. Et là, il est en mode bourré, je le touche. Il se relève et il se barre. Ah là, il est plus bourré. Ah, c'est pratique dans ce script de paix de voyage. Même pas de gueule de bois en plus, hein. Ah là là, pratique. Bref, voilà. Pour une fois, j'avais un mec bourré, je voulais pas le laisser passer celui-là. Ils ont dû tellement s'éclater pour... Parler un peu comme ça. Pareil, c'est dégueulasse. Je sais pas, ça m'aurait éclaté de faire ça. Mieux que les poules, enfin mieux qu'imiter les piafs. Je suis sûr. Et on en revient au début. Il y a comme un fil rouge dans mes vidéos quand même. C'est dingue. Oh la dinguitude quoi. Oh là là. Bon, par contre le cheval, c'est génial. Dario Garo. Yeah! Allez hop! Allez, percutu! Donc, on va se quitter bientôt, là, dans quelques instants, jusqu'à quand on ira vers la mission. En off, j'essaierai de recruter les assassins qui me manquent. Parce qu'il va manquer des assassins, hein, regarde. Il y en a un là, c'est nickel. Bonjour les assassins! Voilà. Mais c'est moi, ta connard! Bon, il faut que je laisse en vie. Voilà. Deux d'un coup.
c'est pas si mal. Ouais, baston général pour la fin, je trouve ça génial. Ah, ta gueule. Allez, ça, c'est moi, ça. Ah, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah, ta gueule. C'est baston général, c'est génial, quoi. Viens, je vais pas te tuer, toi. Voilà. Merci, je peux te parler. Donc voilà, donc je vais recruter les assassins qui m'ont plus qu'un maintenant. On verra, je verrai en off comment je vais faire. Je vais aussi essayer d'avoir plus d'argent pour la prochaine fois, donc d'attendre un peu plus pour plus d'argent donc. Cheval. Voilà. Et aussi, accessoirement, je vais essayer de faire autre chose, mais je sais pas quoi. Si d'avoir un peu plus d'armure, je pense. Je vais essayer de faire ça, je pense. Ça va être pas mal. Voilà. Donc on va aller vers la mission. J'ai juste tué ce mec là. Le mec là, il me turlupine là. Bonjour. Ah. El Chavarro. Et c'est là où je buguais. C'est là, je me rappelle, où j'arrivais pas à avancer en fait. Parce que là ils disent d'aller vers là-bas en fait. Mais là-bas on peut pas y aller. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et donc le fait qu'il faut que je trouve où c'est qu'il faut aller, mais je sais plus où c'est. Et là, ben, je me trouve un peu comme un con. Attends, j'ai fait deux fois de suite ça en plus, hein. Ça m'énerve. Du coup, non, on va se quitter là, je vais essayer de trouver le chemin. Voilà, pour le chemin tout seul. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres épisodes, en espérant que ça vous ait plu. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Salutations, Makefi. Makefi. Makefi aime ça. J'ai pas trop me paumé parce que ça serait chiant en fait. Je dois avouer.